Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va quand même parler de cette histoire de logement décent et indécent. Est-ce que ça te parle, logement décent et indécent ? C'est ce que c'est déjà un logement décent ? Oh oui. Alors attends, j'ai quand même quelques définitions, mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'un logement décent ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un logement décent ? Ben oui, c'est un logement où on n'a pas froid en hiver, on n'a pas chaud en été. Ah non. Ah ouais, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Donc, je vais vous dire la définition, vous allez me dire ce que vous en pensez. Un logement décent, c'est un logement qui ne présente pas de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants et qui doit être doté des éléments de confort, le rendant conforme à l'usage d'habitation. Alors, oui. Ça, c'est une définition un petit peu, hein, vous voyez. Est-ce que vous avez quelques exemples de caractéristiques d'un logement décent ? Parce que moi, je les ai, si vous voulez. Oui. Est-ce que tu en as quelques-uns des exemples ? Oui. Alors, l'isolation, est-ce que l'isolation est dedans ? Parce qu'il y a tellement de choses. L'eau, sans doute, l'électricité. Alors, les réseaux, les branchements d'électricité et de gaz, ça fait partie de la décence d'un... L'isolation, c'est sûr, parce que tu peux tomber malade si tu n'as pas d'isolation. Alors, j'en ai plein. Alors, je vais vous dire un par un, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, les principales caractéristiques d'un logement décent, alors, il faut que le clos et le couvert avec protection contre l'eau et les infiltrations... D'accord. Des dispositifs de retenue des personnes garde-corps aux fenêtres, balcons et escaliers. Donc on parle de ça par exemple, ouais. Là, ce qu'on a ici au niveau sécurité. Des matériaux ne présentant pas de risque pour la santé et la sécurité. Oui. Oui, c'est comme l'amiante, je crois, qu'il y avait dans certains. Oui, mais nous on n'y est pas atteint. Heureusement. Ouais, heureusement. C'est ceux dessus qui seraient atteints si j'ai mis l'amiante. Ensuite, alors Gégé qui est malade au passage, excusez-nous, elle a un beau petit rhume. Alors si vous l'entendez éternuer, excusez-la au passage et surtout faites aux oreilles. Hein, de toute façon, Gégé vous dira s'il y a souci. Comme ça, préparez vos oreilles à l'avance, n'est-ce pas, Gégé ? Oui. Nous aussi au passage. Ouais. Ouais, 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 comme d'habitude. Hein. Bon, continuons sur les logements décents. Alors, il faut des réseaux et branchements d'électricité et de gaz. Eh ben moi, j'en ai pas de gaz. branchement de gaz, moi, j'en ai pas. Donc, est-ce que ça fait de moi? Si. Ah non! Parce que, attends, si. J'ai pas de gaz, moi, chez moi. Tu te chauffes. Oui, Tu te chauffes à quoi? L'électricité. Ah, d'accord. Donc, déjà, moi, j'ai pas de branchement de gaz. Est-ce que pour moi, c'est un logement indécent? Mais non, mais c'est des bouteilles de gaz. Oui, mais une bouteille de gaz, c'est pas un branchement de gaz. Oui, non, mais je veux dire, l'électricité, tu peux pas avoir tu peux pas te brancher sur quelque chose d'autre. Mm-hmm. Alors que le gaz, t'as plusieurs possibilités après. Alors, branchement d'électricité, encore heureux, parce que... Et puis, c'est pareil, quand ils doivent, par exemple, s'ils refont le truc, il ne faut pas que ce soit la maison soit déjà construite, ils ne vont pas tout démolir pour remettre le gaz. D'accord. Je vois qu'un connaisseur de logement, ça... Voilà. Ouais, ça se voit. Tu n'as pas ton propre appart, mais tu sais ce que c'est qu'un logement. Bah, voilà. Tu sais bien. Alors, il faut des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité réglementaire. Donc, l'eau chaude, hein, à condition qu'on paye l'eau, bien sûr. Oui, mais c'est que tu as du gaz. Non. Ah non. Alors, je vais expliquer. Alors, ça chauffe que j'ai. C'est vraiment pas du tout. Je n'ai pas du tout de gaz, sauf la bouteille de gaz. Mais je sais pas si c'est vraiment légal d'avoir une bouteille de gaz chez soi. Ça, c'est une bonne question. Il faudrait. Justement, c'est un vieil immeuble que j'ai. Et donc, ça se posait des questions en fait. Ils vont pas démolir tout ton immeuble pour refaire les tuyaux de gaz. Ah, mais de toute façon, c'est tout l'immeuble qui n'a pas de gaz. Hein. Oui, donc voilà. Donc, ils vont pas tout démolir pour reconstruire après. Je passe une bonne question. Ensuite, il faut des ouvertures et une ventilation permettant un renouvellement de l'air. Ça, on n'a pas. En tout cas, ça fait partie des logements décents. Mais si, alors, de ce qu'il parle, c'est un truc avec une machine, tu appuies sur t'en as dans la, je pense qu'il y en a dans la cuisine. Je pense qu'il parle en priorité de la cuisine. Oui, mais ça aspire pas. Alors que le renouvellement de l'air, il faut que ça aspire. Mmh, bon. C'est une bonne question. C'est un trou, mais. Ah, bah oui, mais si ça aspire pas, c'est pas bon. Il faut que ça fonctionne. Je crois que j'en ai un côté de moi qui marche pas non plus d'ailleurs. Comme tout est ici ouvert, c'est gentil. Mais bon, en hiver, tu vas pas ouvrir les fenêtres. Ça m'arrive. Y a pas de choix. Quand il fait pas trop froid. Là, en Dordogne, il fait en ce moment zéro.
celle 10 minutes ouverte, bien sûr, je ne laisse pas toute la journée, mais je laisse ouverte pour... Alors, autre caractéristique d'un logement décent, un éclairement naturel suffisant et une ouverture à l'air libre pour les pièces principales. Vous vous rappelez de mon ancien logement, j'en avais pas assez de ça. En plus, les vis-à-vis, je vous raconte pas. Ici, ça va. Bah, on n'a pas trop à se plaindre. Bon, dans mon nouveau logement, ça va aussi. Hein, c'est à peu près potable. Ensuite, des installations d'évacuation. Ah non, j'ai oublié. Une installation d'abord d'alimentation en eau potable à l'intérieur du logement avec une pression et un débit suffisant. Ouais. D'accord. Les gens qui m'écoutaient, bien sûr, retenez ça dans vos têtes, au cas où, si vous déménagez, que vous avez besoin de chercher un logement, au moins vous savez ce qu'il faut. Ensuite, des installations d'évacuation des eaux ménagères empêchant le refoulement des odeurs et des effluents. Ben, vaut mieux. Tant qu'à faire. Alors là, on parle de cuisine. Il faut une cuisine ou un coin cuisine aménagé pour utiliser un appareil de cuisson et comprenant un évier alimenté en eau chaude et froide. Oui. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Ensuite, une installation sanitaire intérieure au logement équipé d'une baignoire ou d'une douche comprenant des WC séparés de la cuisine. C'est sûr que des WC dans la cuisine, là, je m'inquiète un peu quand même. Les remarques sont pas loin, hein. Ouais, mais non, oui, mais non, mais pas dans la cuisine, Frédéric. Que franchement, ouais. Je préfère pas, je voudrais pas avoir des toilettes. On voit que c'est pratique pour aller aux toilettes et après faire la cuisine en même temps. Voilà, et, voilà. Mais bon, c'est pas très cool. L'hygiène, niveau hygiénique, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Alors, il faut aussi un réseau électrique permettant un éclairage suffisant de toutes les pièces, ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. Oui, ça, ouais. Y a pas de problème. Ok. Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas si les pièces au-dessus, ça, je pense que je me demande pour chez moi, je me demande si je suis vraiment à ce niveau-là. L'existence d'une pièce principale d'au moins 9 mètres carrés. Ouais. Donc là, on est largement, hein, les 9 mètres carrés. Chez moi aussi, la pièce principale est largement au-dessus. Donc 9 mètres carrés de surface habitable et 2 mètres 20 de hauteur, soit 20 mètres cubes de volume habitable. Ah bah, la pièce principale va bien. La mienne, chez moi, elle est encore plus haute d'ailleurs. Ouais. Alors, si le logement n'est pas décent, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? De changer de logement. Ah non ! Changer de logement aussi, carrément. Eh bien, tout simplement, vous pouvez faire appel à la justice. Ouais. On peut demander juridiquement quelque chose parce que vous avez un contrat de bail. Donc réfléchissez, si vous signez un bail, vous êtes forcément... de toute façon, dans le contrat de bail, c'est une obligation du propriétaire d'avoir un logement décent. Si c'est hors contrat et que le contrat de bail n'est pas respecté, on peut faire appel à la justice, tout simplement. Donc si le logement n'est pas décent, vous pouvez demander amiablement et ou judiciairement sa mise en conformité. À défaut, le juge peut réduire aussi le montant du loyer. Voilà. Et donc ça, c'est sur la décence. Maintenant... sur la salubrité, là je pense que Gégé, t'as pas mal de choses à dire, à raconter sur ce problème-là. Tu vis ça depuis combien de temps maintenant ? Ça doit faire des mois maintenant. Oh ben. Depuis combien là, quasiment ? Depuis, attends, ça fait maintenant, non, si je compte bien ? Non, attends, ça a fait 5 ans qu'on était là. Oui, mais le temps que l'eau s'infiltre et tout ça, ça fait bien 5 ans. Mais... donc si je comprends bien. Dans la cuisine, ça a commencé à peu près une année après. Alors, qu'on puisse expliquer les choses, parce que là, nous, on connaît l'histoire, mais eux, les auditeurs ne connaissent pas l'histoire. Donc, ça fait, à l'heure d'aujourd'hui, 6 ans que vous vivez dans cet appartement. Ouais. Dans un immeuble, on peut, sans donner le nom, c'est une cité. Ouais. Voilà, une cité au fin fond de la ville de Thiviers. Et que, depuis des années, le logement, est-ce qu'il est déclaré insalubre par l'assurance et est-ce que c'est déclaré insalubre ? Mais par contre... Non, il faut que je voie mon assurance pour parce que eux, ils vont se retourner contre oui, mais Domo France, c'est-à-dire contre les... non, pas contre Domo France. Contre, on va pas donner un nom d'HLM, quoi. Voilà. On va pas citer le nom. Les HLM. Oui. Et si, je sais pas, si c'est 2 ou 3 mois après, rien n'est fait, alors là, ils peuvent le déclarer insalubre. Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. Donc, ça fait 5 ans que vous vivez dans cet appartement. Ouais. Ça fait donc 5 ans que vous vivez avec ce problème d'insalubrité. Mais au début, ça se voyait pas. Voilà. C'est le temps que ça se dégrade. Donc, mais là, honnêtement, ça fait combien? Bon, on peut raconter vite fait. Hein. Là, vous avez des soucis de dégâts des eaux. Ouais. Qui sont très apparents, des fissures sur les murs, au plafond.
Des, les murs sur le côté qui sont imbibés d'eau, on est d'accord, et que dans la cuisine, là c'est dangereux parce qu'il y a les circuits électriques et tout ça, qui, là c'est très très dangereux, donc la cuisine est touchée, les WC sont touchés, et que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a plusieurs fois, il y a plusieurs personnes qui sont venues chez vous, qui ont fait des constats, et ils font rien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben moi je pense faire ça à aller voir mon assurance pour qu'ils se retournent contre. Alors pourquoi? Et si bon et si ils ne le font pas, après je ils m'ont enfin l'assurance m'a dit que je pourrais bloquer mon loyer sur la caisse de dépôt et consignation. C'est marrant, c'est-à-dire qu'ils ne toucheront rien tant qu'ils n'auront rien fait. Je sais pas si vous remarquez, c'est on se croirait dans l'émission sans aucun doute en ce moment. je me croirais dans une affaire de sans aucun doute en ce moment, mais c'est pas grave, ça nous change un petit peu des habitudes. Moi, ce que je trouve pas normal. Donc pour moi, avec le téléphone, on va appeler le propriétaire. Bon, samedi, ça va être difficile maintenant. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ça fait plusieurs mois que tu vis avec ça. Moi, j'étais témoin, j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui sont venus ici. Ouais. J'ai vu aussi dans une déclaration que tu as marquée par écrit que pour eux, leur constat, c'est. Ils ont dit dit carrément, ils ont dit quoi comme réaction quand ils ont vu ça dans ton état? Eh bien, ils m'ont dit que j'avais qu'à mettre mon assurance en route. Oui, ça c'est obligatoire. Et que la voisine du dessus, elle a péré les poids cassés, mais bon, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'elle est assurée? On n'en sait rien. Oui, mais ça peu importe. Peu importe. Mais le problème, c'est qu'elle est venue deux fois et c'est pas elle qui m'inonde. Alors ça vient du toit. Mais c'est pas elle qui m'inonde. Alors je sais pas d'où ça vient. Donc en gros, t'es en train de me dire qu'elle en dessus, quoi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tu sais pas. Alors c'est bizarre parce que j'ai entendu deux choses différentes de ce qu'on a quand j'étais venu. J'ai entendu deux faits différents. Une fois, c'était ça venait en dessous de la baignoire de la voisine du haut. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça qu'on nous a dit ça. Et maintenant aujourd'hui, on te dit oh ben finalement ce n'est pas ça, mais ça viendrait du toit ou d'un fait de l'eau qui viendrait. Donc ils savent pas. Alors un coup c'est ça, un autre coup c'est ça. Ils savent pas du tout ce qu'ils disent. Exactement. Et donc du coup. Et donc malheureusement à toi ça te repousse l'échéance parce qu'on ne sait pas où est l'origine. Maintenant moi ce que je te conseille, tu l'as toujours pas fait, mais ça tu risques rien de toute façon, c'est faire appel aux assurances. L'assurance qui quoi qu'il en soit fera un constat à l'amiable, que ce soit envers les voisins ou envers les HLM, c'est parce que ça sera l'un ou envers l'autre, même les trois, même d'ailleurs je pense qu'ils vont envoyer un expert ici. D'assurance, c'est l'assurance qui viendra, qui constatera les faits, les infiltrations, tout ça. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est quand j'ai entendu la dernière fois, c'est ce que t'as marqué parce qu'on le samedi, on va reparler de ce sujet-là dans une réunion. T'as dit qu'ils ont réagi en disant bof. Oui, bof, oui. Bof quoi? Parce que comme quoi bof, c'est pas. Alors qu'est-ce qu'ils attendent? Que les murs te tombent sur la tête? C'est ça pour réagir? Je pense. Ouais, en gros, tu t'attends qu'une voisine tombe des chiottes et excusez-moi d'un petit peu d'être un peu clash, mais en gros, ils attendent. Disons que j'attends que la voisine vienne me dire bonjour, quoi. Ouais. D'accord. Parce que bon, il faut être clair. Bon, on n'a pas montré les photos, mais bon, je suis sur place, je suis chez GG en ce moment. Le constat des murs est quand même flagrant. Il y a quand même des fissures murs. Il y a des petites plaques, je sais pas qu'on appelle ça, des placos qui tombent là maintenant. Les murs, je les ai sentis, c'est hyper humide et puis il commence à avoir des coques partout. Voilà. La cuisine, c'est hyper dangereux parce qu'en plus c'est ça qui est flagrant. Ils se sont pris du temps pour changer les installations électriques, mais par contre ils se sont pas dit voilà, il y a des soucis, dégâts des eaux, on fait rien là-dessus. Ça me fait penser à ce qui m'est arrivé quand même dans mon ancien appart. C'est quand même bizarre, ça. Mais je ne comprends pas. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce qu'on te dit quelque chose? Rien. Donc, je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est que, bon, déjà, il faut arriver à première étape, c'est arriver à déclarer ton logement insalubre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là aussi, ce que tu peux faire, c'est faire appel à la mairie. Service d'hygiène. Ouais. Ça fera deux. Le troisième point, l'assurance. L'assurance est obligatoire. De toute façon, quoi qu'il en soit, ils te feront un constat à l'amiable. Voilà. Donc, ceux qui écoutent et qui ont des soucis dans ce, imaginons qu'il y a d'autres personnes qui vivent sur ce problème-là. Quoi qu'il en soit, les choses obligatoires, c'est un expert, mais un expert, pas un expert des HLM, hein, mais un expert assurance qui doit venir. L'expert, c'est là où je m'assure, tu vas l'envoyer. D'accord. Voilà. Bon,
Maintenant, déjà, il faut être honnête. Ça, pourquoi on en parle ? Parce que ça c'est en train d'empoisonner ta santé. Il faut être honnête. Ça est en train de te bouffer ta vie. C'est ce qui m'inquiète beaucoup. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui... Oui, on a Réglisse qui est avec nous, donc la mascotte de service qui est là. Donc, est-ce que tu as, toi, personnellement, parce que c'est pour ça que... C'est improvisé, ce qu'on fait. Hein. C'est pas un sujet préparé. On a absolument pas préparé le sujet, je vous le dis franchement. C'est complètement improvisé, ce qu'on fait. Mais est-ce que, toi, personnellement, Gégé, tu as des coups de gueule, des choses à dire sur ce sujet ? Tu as la libre parole sur ça, mais n'hésite pas. Si tu as plein de choses, il ne faut pas hésiter à passer des messages, tout ça, si tu as des choses à dire. Moi, j'ai l'impression que du moment que les HLM reçoivent votre pognon tous les mois sans problème, le reste, ils n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire ? Mais ils s'en foutent complètement. Tout peut te dégringoler sur la tête, ils t'en foutent. Donc, en gros, ils sont... Tant que je pense qu'on n'a pas porté plainte, qu'on n'a pas commencé à bouger, eux, ils feront rien. Oui, mais pour porter plainte, il faut d'abord que ça soit constaté, je crois. Il faut qu'il y ait un constat pour porter plainte. Eh bien oui. je crois. Je sais que je verrai... Bon, puisque la voiture remarche, on va aller à notre assurance et on va voir comment on peut réagir. Mais on m'a donné déjà des conseils. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer l'histoire. C'est que tu ne peux pas bloquer par toi-même le loyer. Il faut que tu fasses appel à un juge. C'est un juge qui décide ça. On est d'accord. Voilà, oui, mais c'est pareil. Pour qu'un juge décide ça, il faut que le logement soit déclaré insalubre. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, tu peux demander. Ça dépend. J'ai mon ancien propriétaire. Il lui a donné 3 ans pour tout refaire. Donc 3 ans, dis donc, entre-temps, ça peut tomber quand même, 3 ans... Oui, mais bon, et puis apparemment, elle n'arrive pas à le relouer, c'est que, bon, ils ont dû dire attention à l'humidité et tout, parce que lui, il a été jugé insalubre. Mais bon, je suis parti avant, parce que sinon, elle aurait été dans l'obligation de me reloger. Bien sûr, tout à fait. Comment, d'après vous, on peut déclarer un logement salubre ? Comment ? C'est-à-dire vers quoi ? Eh bien non, d'abord, je vais aller là où je suis assuré. Oui, non mais... Je vais leur expliquer ce qui arrive. Mais qu'est-ce que pour eux, ils vont m'envoyer un expert. Ce que je veux dire, c'est comment, qu'est-ce que pour vous un logement salubre ? C'est ça la question. C'est pas qui peut déclarer, c'est qu'est-ce qu'un logement insalubre en fait ? Donc déjà au niveau hygiène, tout ce qui est cafard, tout ça, tout ce qui est rat, est-ce que c'est un logement insalubre ? Non, et puis c'est pas ça, mais tu te reçois le toit sur la gueule avec de l'eau marron ou noire. Pour les rats, ils avaient fait quelque chose, ils ont réglé quelque chose apparemment. Pour les rats ? Ouais. Pour les rats, oui, c'est-à-dire ? Une fois, il y avait une histoire de rats. Ah, de rats, j'ai entendu de rats, d'accord. Ils ont complètement désinfecté les meubles et il n'y en a plus. Oui. Du sol au plafond. Oui. Ils montaient dans les escaliers et ils ont mordu plusieurs grosses. D'accord. Mais bon, là, ils ont réglé le problème. Ça fait un moment qu'on en a pas eu, donc... En gros, le logement insalubre, c'est simple. C'est tout ce qui est hygiénique, de toute façon. C'est tout ce qui concerne l'hygiène. Ça peut être dégâts des eaux. Ça peut être justement les risques de santé, par exemple, la prise électrique. L'humidité, tout ce qui est. Oui, l'électrique, tout ça. Ils ont remis l'électricité, ils ont remis des prises juste sur les pieds. C'est ça que je comprends pas. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas le mettre ailleurs. Oui, mais alors justement, et ces personnes-là ont vu. La fissure. Et ils ont quand même installé en te mettant en péril, parce que c'est un risque de sécurité, ça, quand même, ce qu'ils font. T'imagines si la fissure va plus loin, c'est attiré sur la prise électrique. Ouais. C'est ça que je n'ai pas compris, que j'essaie de comprendre. C'est comment ils se sont permis d'installer des nouveaux trucs sur les murs qui sont sans avoir réparé auparavant le dégât des eaux. Bon, ils ont fait pareil. Oui, mais peu importe. Peu importe, c'est ce que je comprends pas. Non, parce qu'ils étaient obligés de nous changer les chauffe-eau parce qu'ils ne trouvaient plus de pièces pour les autres. Oui. Pour échanger. Et comme là, il y avait quand même un gros risque, donc ils nous ont changé les chauffe-eau. Oui, voilà. Bon, c'est bien. C'est bien. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont installé ça par-dessus, au lieu de réparer les dégâts qu'ils ont en premier, parce que là, ils vont être obligés de tout encore enlever. Ils ont installé ça pour rien parce qu'ils vont être obligés d'enlever pour le remettre. Parce qu'ils pour réparer les dégâts des eaux, ils sont obligés d'enlever tous les circuits. Hein, donc, enfin, ça dépend. Est-ce que vous savez à quel niveau les murs sont imbibés ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est un peu
tu remarqueras en haut dans les toilettes. Je vais te le dire. On est en direct, alors je précise. T'as le plafond qui devient noir. Alors ça, oui d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça c'est de la moisissure. Voilà. C'est de la moisissure. Alors ça c'est ce qu'on appelle les champignons. Ça c'est normalement de l'humidité et de... Parce que j'en avais de ça. De l'humidité puis de... c'est un dégât des eaux de toute façon. Donc là tu es victime de dégâts des eaux quoi qu'il en soit. Ah oui, là. Quoi qu'il en soit. Maintenant, moi ce que je comprends pas, c'est qu'il te répare quelque chose. Et que en fait derrière il t'installe des choses et derrière il te répare pas le plus grave on va dire. Parce que là honnêtement tu risques effectivement il peut y avoir le feu en plus avec à cause de ces bêtises dans la cuisine et c'est quand même hyper dangereux. Ta santé déjà toi tu peux pas courir tout ça, imagine qu'il se passait quelque chose voilà, c'est hyper grave ce qui se passe. Donc je comprends pas. C'est vrai que ça me fait penser. Il y a une émission qui me vient en tête, c'est sans aucun doute. Mais bon, je sais pas si tu, qu'on en est à ce point-là. Ouais. Je sais pas si on est à ce niveau-là, mais alors vas-y, Fred, qui a fait l'état des lieux. Je suis l'expert. Enfin l'expert, non, mais un peu l'état des lieux. Donc donne-moi un petit peu les détails. Alors le mur de la cuisine, il est pas mouillé à 100%, mais il y a des zones où il est mouillé jusqu'en bas. Bah, mouillé, c'est mouillé. Ouais. Ah, non, est-ce que mouillé au niveau des circuits électriques? Ben, il y a des endroits oui, il y a des endroits non. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même dangereux. Ça descend jusqu'à la voisine en bas. Mais c'est dangereux. Ça reste dangereux. Ça, si ça va jusqu'au... Imaginons que si le dégât se propage, ça peut atterrir jusqu'au circuit électrique. Bon, le toit, il y a un mur. Alors le toit, des toilettes qui sont touchées aussi. Il y a des fissures, je crois. Oui, mais ça, des fissures. Est-ce qu'il y a des gouttes d'eau qui oui, sont tombées? Alors, oui, il y en a encore. Dans les WC, c'est très fréquent, mais après, dans la cuisine, on ne reçoit pas des quoi. Ça a été même jusqu'à... faut pas avoir honte de le dire. Ça a été jusqu'où, les fuites dans les toilettes? Il y a eu... Mais que un jour, on est parti, on est revenu, et on a vu que le toit, il était... Enfin, presque la moitié du toit était par terre. Du plâtre, parce que... Du plâtre. Mais il n'y a pas... Y a... Et après, depuis, il y a une grande fissure sur le mur. Ouais. Qui est apparu. D'accord. Mais je pense que c'est le plâtre aussi qui est en train de se casser la gueule. Le plâtre qui se casse ouais, la gueule. Ouais, c'est le plâtre qui se décolle. Tout le plâtre du mur qui se décolle. Voilà. Ça fait une couche. Et ça fait, vous m'avez dit, ça fait 4-5 ans que vous êtes comme dans cet état. Non, mais c'était pas aussi grave, c'était pas aussi important. Il y avait non, les toilettes, ça fait 2 ans, pas plus. Mais ça fait 2 ans, vous imaginez, tu t'imagines ce que tu es en train de me dire, 2 ans déjà. Oh. 2 ans, c'est déjà énorme. Hein. Ça fait 2 ans que tu vis comme ça, que, dans un danger. Que tu ça a commencé par un tout petit trou, et puis un beau jour, on était parti un week-end chez toi, on revient, mais il y avait un gros truc par terre déjà. D'accord. Et le mur était imbibé d'eau. Et c'est que de l'eau qui coule. Je sais pas. Des fois elle est blanche, mais là en ce moment c'est de l'eau marron et noire. Donc de l'eau, on va dire marron. Ah oui, oui. Ah, c'est comme ça. Je t'en prie. Je préfère rassurer parce que c'est pas de la merde. Heureusement. C'est plutôt de l'eau rouillée ou des trucs comme ça. Plutôt. De l'eau rouillée. Oui. Ah non, mais faut que ça touche le fer pour qu'il y ait l'eau rouillée. Eh bien, le tuyau, quand ça descend du tuyau, ça rouille. Ah parce que oui, bon, pourquoi pas. Hein. Bah oui. Alors, je vais pouvoir vous dire ce que c'est. Ouais, ça, non, mais c'est. Je vais quand même vous donner quelques détails sur le logement insalubre parce que je vais quand même chercher sur cette définition, quand même, sur ce point-là. Alors, vite fait, bien fait. On va voir ce que ça va donner. Alors, un logement insalubre, si ça arrive à ce voilà, se caractérise par sa dangerosité pour ses occupants et aussi ses voisins. C'est pas uniquement vous, mais aussi également les autres occupants. En raison de son état ou de ses conditions d'occupation, on propose donc de découvrir les critères qui définissent la salubrité d'un logement. Alors, un logement insalubre. Donc, c'est un logement qui présente un danger pour la santé des locataires et du voisinage. Non, mais je les précise clairement. Les deux principaux facteurs d'insalubrité sont, alors, il y a un bâti ou un équipement dégradé, donc l'humidité, le risque d'incendie, le chauffage défectueux avec risque d'intoxication,
au monoxyde de carbone. Je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là quand même. Mais il y a quand même de danger sur sa santé au passage. Ensuite, des conditions d'anomalie d'occupation du logement, c'est-à-dire le mauvais usage, le surpeuplement. Alors là, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Donc en haut, y a, donc là-dessus, ils sont en tort. Je vous dis franchement, c'est en tort. Location d'un local dépourvu d'ouverture sur l'extérieur. Bon, ça, c'est une autre condition. Alors, l'insalubrité d'un logement est évaluée suivant une liste de 29 critères. D'accord ? Ça, je ne sais pas si tu étais au courant. Concernant l'hygiène de santé, notamment... Alors, il y a la superficie totale du logement. Là, oui, je pense que là, il n'y a rien à dire. Un logement de moins de 9 mètres carrés et d'une hauteur sous plafond d'inférieur de 2,20 m est jugé insalubre. Et bien, c'est pas forcément indécent, mais c'est jugé insalubre. Ouais. Ensuite, l'état du bâti, donc les murs fissurés. Les murs fissurés, nous y sommes. Les escaliers ou sol instable, je pense que alors ça me concerne plus personnellement, je vais dire. Je pense que je suis dedans avec les escaliers. L'humidité importante. On va dire que c'est à moitié, mais la cuisine un peu quand même. De l'humidité, parce que quand tu arrives dans la cuisine, que tu as 5 cm d'eau, que tu sais pas d'où ça vient, moi j'appelle pas ça de l'instabilité. Mais non, mais je veux dire, on voit pas d'humidité sur les fenêtres, hein. C'est surtout ça. Ouais. Alors, concernant les installations sanitaires, alors, on parle d'absence d'arrivée d'eau potable. Là-dessus, tout va bien. D'eau chaude aussi ou de siphon d'évacuation des eaux. D'accord. Aussi absence de douche et de toilettes séparées de la cuisine et de la place principale, de la pièce principale. Donc là, on est dans le côté logement décent et indécent et insalubre. Ensuite, concernant le chauffage, là-dessus, il n'y a pas trop à se plaindre non plus. Moi, oui, personnellement. Si l'installation ne permet pas un chauffage suffisant. Donc c'est mon cas. Ensuite, concernant les matériaux, donc on parle de présence d'amiante. Non. Ou de plomb. Ça, je sais pas. Et enfin, on parle d'absence d'ouverture donnant sur l'extérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les critères de logement insalubre. Ensuite, quels sont les recours pour le locataire ? Donc ça, écoutez bien ceux qui vivent un petit peu sur l'insalubrité, tout ça, ceux qui ne savent pas comment faire, je vais vous expliquer les démarches à faire. Donc si un immeuble représente un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants ou de ses voisins, le préfet peut ordonner aux propriétaires des lieux de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Donc le préfet peut aussi faire quelque chose. La procédure à suivre en cas de logement insalubre commence par l'envoi aux propriétaires des lieux d'une lettre recommandée. Ouais. Est-ce que tu l'as fait ça déjà ? Bah non. Tu l'as jamais fait. Donc déjà, faut commencer par ça. Bon, je devais retourner au truc là, puis elle devait me préparer des trucs. Donc comme je ne suis pas retourné, mais... D'accord, donc tu l'as pas fait. Non. Donc, quoi qu'il en soit, une lettre recommandée avec accusé de réception, justement, pour présenter l'état de ton logement. Donc, il faut détailler sur la lettre l'état de ton logement. Donc, ça, c'est la première démarche à faire. La deuxième démarche, la procédure à suivre en cas de logement sous aussi un seul conspire, donc je l'ai dit. Si vos courriers restent sans suite, il suffit de saisir l'Agence régionale de la santé, l'ARS. Ouais. On peut aussi adresser à la mairie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour qu'elle saisisse directement l'ARS. Donc on peut faire deux sens, soit tu vas directement vers l'ARS ou directement vers la mairie pour si jamais il n'y a pas de suite du propriétaire. L'ARS procédera à la visite des lieux et évaluera si votre logement est insalubre et se référant aux critères cités plus haut. L'ARS, ça équivaut un petit peu à la mairie, au service d'hygiène de la mairie. Ouais. C'est un petit peu le même procédé. Si l'ARS conclut à l'insalubrité, une commission départementale se réunit dans les deux mois qui suivent. Le préfet prend ensuite un arrêté déclarant le logement insalubre. Ouais. Voilà comment ça fonctionne. Donc il faut. Alors, les conséquences d'un arrêté d'insalubrité. Si jamais ton logement est déclaré insalubre, qu'est-ce qui va se passer par la suite, d'après toi ? Moi, je peux plus le voir. Alors, c'est simple. Le paie, mais bon. Il peut y avoir deux types d'arrêtés, tout simplement pas par le préfet. Donc, il y a l'arrêté d'insalubrité qui est irrémédiable, c'est-à-dire que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité par des travaux, donc ça, c'est le premier critère, je pense qu'on n'en est pas à ce stade-là ici. Et après, tu as l'arrêté d'insalubrité remédiable, qui c'est si les travaux peuvent être réalisés pour remédier à la situation. Donc là, c'est dans ces deux cas. Dans le premier cas, c'est-à-dire si c'est irrémédiable, le préfet prononce une interdiction définitive d'habiter dans les lieux. Ouais. Donc ça, c'est pas plus mal. Bah, tu vas être relogé. Si c'est le préfet déclare ça, tu as l'obligation d'être relogé ailleurs. Ah oui. Ça, c'est une obligation par la loi.
tant que vous êtes dans le bail ici d'ailleurs. Dans le second cas, c'est-à-dire si c'est remédiable, le préfet donne au bailleur la liste des travaux à réaliser et les délais à respecter. Il peut prononcer et, si nécessaire, une interdiction temporaire d'habiter dans les lieux. Temporaire. Donc après, c'est la mairie qui prend en charge, je crois, le logement secondaire. Donc pour les logements qui font l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable, je pense que c'est dans ton cas, avec interdiction temporaire d'habiter les lieux, le loyer n'est plus dû à compter du premier jour du mois qui suit l'arrêté jusqu'au dernier jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux. Donc en fait, tu ne paieras plus de loyer dans le délai prévu par le préfet. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire s'il met 3 mois, c'est pendant 3 mois, il n'y a plus de loyer à payer. C'est-à-dire, si le préfet déclare le 1er janvier ton logement insalubre, à partir du 1er janvier, tu ne payes plus de loyer jusqu'à la date que le préfet donne. C'est-à-dire que normalement, c'est surprenant que c'est le préfet, parce que j'ai toujours entendu parler que c'est un juge qui décide. Le juge d'instance et de grande instance, et je vois qu'un préfet peut aussi le faire, donc c'est quelque chose que j'apprends et qui est intéressant à apprendre. Donc que ce soit par le juge ou par le préfet, donc on peut faire par les deux. Alors, ensuite, quelles sont les obligations du propriétaire? Donc lorsque le préfet prend un arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction définitive ou temporaire d'habiter dans les lieux, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des locataires. C'est ça que tu voulais savoir, et bien maintenant tu le sais. S'il ne le fait pas, l'hébergement est pris en charge par le préfet aux frais du propriétaire. D'accord. D'accord. Est-ce que tu étais au courant? Nous trouver autre chose, mais c'est le propriétaire qui paiera. Voilà, c'est-à-dire que c'est aux frais du propriétaire. Bien sûr, le temps du tombail, parce que tu sais, évidemment. Donc le propriétaire ne peut en aucun cas donner congé à ses locataires. Ouais. Ça, c'est interdit. Dans tous les cas de logement insalubre, le propriétaire doit verser à l'occupant une indemnité de réinstallation d'un montant égal à 3 mois de son nouveau loyer. Ouais. Et enfin, les sanctions, et ça il faut aussi les soumettre. Donc les sanctions à l'égard d'un propriétaire qui ne respecte pas un arrêté d'insalubrité. Donc en cas de refus de procéder au relogement de l'occupant, le propriétaire s'expose à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros. C'est énorme. Et en cas de refus sans motif légitime d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité, chose qui est actuellement ton cas, il expose à 1 an d'emprisonnement et une amende de 50 000 euros. Donc c'est punissable par la loi, le fait qu'il refuse de prendre en compte tout ça. Donc moi, ce que je te conseille dans tout ce qu'on vient de dire, premièrement, tu fais une lettre recommandée à la HLM concernée. Ouais. Tu lui dis tout ça, tu fais tout ça. À ce moment-là, si tu vois que ça tarde, à ce moment-là, tu as droit à faire appel au préfet et à la justice. Ouais. Et c'est à ce moment-là que le propriétaire peut aussi morfler pour le refus d'obtempérer, le refus de faire l'état des lieux. Et maintenant, admettons, si j'arrive à me reloger ailleurs. Ah ben là c'est différent. Voilà. C'est-à-dire que toi t'es actuellement en recherche d'un autre logement. Ouais. Si t'es dans un autre logement, si t'arrives à trouver un autre logement, effectivement ton cas d'insalubrité ne te concerne plus. Ça concernera uniquement le. Mais non. Si le juge est déjà passé. Oui, mais ça concernera. Je pense que ça sera uniquement le propriétaire qui sera visé, parce que quoi qu'il. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des suites avec le propriétaire, avec les nouveaux locataires qui vont arriver forcément. Donc ça suivra son cours. C'est-à-dire qu'il y aura quand même, il y aura toujours un. Le dossier sera toujours en cours jusqu'à ce que le propriétaire fasse les travaux nécessaires. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'aura pas le droit de reloger tant que les travaux ne seront pas faits. Oui, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais toi, de ton côté, tu t'en fous. Si tu t'en vas et tu trouves un autre logement, après, ça ne te concerne plus. Ah, voilà, ça sera plus ton cas. Bon, je te le souhaite que tu trouves un autre logement. On va pas faire ce détail-là. Ouais. Mais il faut espérer, parce que là, t'es à deux doigts à péter un boulon, je suppose. Ouais. Je dirais même, t'es limite désespéré. Tu commences même à en avoir mal dans la ville, tu es complètement dépaysé, tu es seul, tu n'as personne autour de toi, enfin seul entre guillemets, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Ouais, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Toi, Fred, tu dis rien sur le logement insalubre, mais toi, tu dis quoi sur ça? Est-ce que tu as un petit coup de gueulant parce que tu fais ouais, tu écoutes, tu dis rien, ouais. Je pense pas qu'il déclare insalubre, mais à faire des travaux, oui, peut-être, mais pas insalubre. Oui, mais à condition de faire une lettre recommandée, quoi que l'on soit. C'est pas tout l'appartement qui est touché, c'est juste le côté là-bas. Mais je me demande si c'est pas ça, le fait que ça tarde, le fait que vous n'avez pas fait de démarche.
Est-ce que vous avez quelques ouais non parce pas de la... si parce que la voisine elle a fait venir quelqu'un qui montait ici qui ça marchait pas et qui ça... Ce que je veux dire c'est que si juridiquement il faut, vous avez besoin d'en arriver là, vous êtes obligé de quoi qu'il en soit de commencer par la lettre recommandée. C'est ça. Si tant que vous ne faites pas ça, même l'assurance, ils vont vous poser des questions et ils vont vous dire si vous avez fait une lettre recommandée au propriétaire. Si vous dites non, l'assurance, est-ce qu'elle peut agir? Oui. C'est ça la question. Donc je pense parce que. Moi, elle m'avait dit qu'on remplirait le contrat de dégâts des eaux. Oui. Alors qu'on mettrait mon adresse et tout. Oui. Et comme à côté, il y a un truc pour. Comment t'expliquer? Bon, par exemple, chez toi, je te fais un dégât des eaux. Oui. Tu mets ton adresse, ton nom, ton numéro de téléphone. Et à côté encore, il y a un petit carré où c'est le propriétaire qui est visé. Oui. Parce qu'il n'a rien fait, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Voilà. Ah oui, c'est le stylo que j'entendais, d'accord. Donc j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit j'en dis... Et donc... Alors, Gégé est malade. Alors, il faut vraiment excuser à Gégé qui est très malade, qui a chopé un rhume depuis hier. Donc, excusez-la au passage. Donc, c'est pour ça que vous l'entendez assez faiblement et assez tout ça. Mais elle est toujours parmi nous, de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Donc, tu arrives Oui. Espagne, tu veux suivre peut-être Ils m'ont dit que c'est eux, donc l'assurance, qui ferait passer un expert. Oui. Et après, suivant ce qu'il y a, c'est l'expert qui va leur envoyer une lettre pour qu'ils refassent ou équiper les travaux. Est-ce que c'est à quelles conditions? Est-ce que toi, tu dois compter l'assurance? Tu dois contacter l'assurance ou est-ce que tu attends que l'assurance... Je vais directement à l'assurance. Voilà. Il me faut remplir un papier dégâts des eaux. Oui. Voilà. Et il se retourne contre le propriétaire, pas contre les locataires qui sont en haut. Toutefois, je te conseille quand même la lettre recommandée, ça te fera un double truc. Oui, d'accord. Donc fais les deux en même temps. Non, c'est un petit conseil que je te donne. Ça te fera un petit plus, tu vois, en disant tu fais le constat. S'il faut des photos, on fera des photos. Hein, oui, voilà. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment pas un problème. Et s'il faut des photos, on fera des photos. Ça fera ça en bonus et puis de toute façon il faut prouver le plus possible parce qu'il faut des preuves de toute façon donc voilà. Oui, on leur envoie un morceau de plâtre. Ah ben non, tu peux pas montrer. Bienvenue en Dordogne au passage. Donc c'est ça la Dordogne, il fait très froid par rapport à Bordeaux, c'est pas du tout la même chose. Un morceau de mur, oui, tu vas pas. Ouais, tu vas pas... Ça dans l'enveloppe. Mais non, un colis. Je me suis fait un colis recommandé en express, un colis en chronopost, tu sais. Donc, tu leur dis voilà vos toilettes qui arrivent, la cuisine et la salle de bain en même temps. Tu m'as dit quelque chose, Fred, pendant la pause au sujet du logement. Vas-y. Alors, comme quoi, ils peuvent dire qu'ils l'ont très bien réparé, mais seulement étant donné que les murs sont imbibés dedans, on ne peut pas le savoir de suite. Il faudra attendre 3 ou 4 mois pour que les murs sèchent. Pour savoir s'il y a toujours des fuites. 3 ou 4 mois pour voir si. C'est-à-dire. Quand les murs sont imbibés d'eau, oui. Même s'ils coupent la fuite, le mur sera toujours imbibé d'eau. Ça, c'est sûr. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est sûr, oui. Donc, il faut attendre que ça sèche. Oui, en quelque sorte. Mais en plus, en hiver, est-ce que ça va sécher? Mais c'est ça le problème. Donc, on ne va pas porter plainte s'il n'y a pas de fuite. Alors, pour l'instant, il ne faut pas porter plainte, parce qu'en premier lieu, il faut d'abord faire une lettre recommandée au propriétaire. Si on doit en arriver là, tu veux dire, oui. Voilà, il ne faut pas que l'expert passe qui dise « Oh, il y a des fuites partout, alors que si tout est bouché, c'est ça oui. Le truc. » Tu veux dire que, de toute façon, il faut d'abord qu'il que le mur soit sec pour être sûr qu'il n'y ait pas d'humidité. Comme, oui, mais l'autre problème, c'est qu'avant, pour qu'il n'y ait plus d'humidité, il faut aussi qu'il cible l'origine de la fuite. Donc, et sachant que ce n'est pas dans votre immeuble, enfin, c'est pas dans votre logement, c'est plus haut, on ne sait même pas si c'est le voisin. Tout ça, il faut d'abord qu'ils ciblent le. Ils ont déjà presque tout réparé, hein, Alors, c'est ça que je comprends pas. Est-ce que t'as, aujourd'hui c'est réparé ou pas, là, pour au niveau de l'humidité? Les salles de bain, les WC, il y a toujours des sepultures par main, il y aura toujours que les. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont réparé ça, mais qu'aujourd'hui, il y a toujours des fuites. Et ça vient d'autre part, et peut-être aussi. Que c'est le mur qui sèche et que du coup il y a de la flotte qui tombe. Alors je vais poser une autre question qui est complètement stupide. C'est pas si stupide que ça. Est-ce qu'il y a des fuites uniquement au moment de pluie ou est-ce que quand il fait beau il y a des fuites? Mais on peut pas le savoir. Et bien justement, c'est une question que je te pose. Est-ce que tu as vérifié si ces fuites se produisent quand il pleut ou quand il pleut pas?
Ça prend, puisqu'ils disent que c'est pas en haut, donc après ça peut venir que de... Déjà pour savoir ça, il faudrait le mur sec. Déjà. C'est mal barré pour l'instant. Et qu'on enlève tout ce qui est plâtre pour voir si ça passe derrière ou pas. Parce que là, on ne voit pas, il y a le plâtre. Bon, mm-hmm. Le plâtre, il se fissure avec l'humidité, c'est normal. Mm. Donc le seul moyen, ce serait de défoncer le plâtre pour savoir si ça coule toujours derrière. Alors, défonce uniquement le plâtre, parce que si on défonce le mur, je crois qu'on va avoir une voisine qui va tomber. Si c'est possible. Non, c'est pas les porteurs, les PC. Bon, passons. Est-ce que vous voulez finir un petit peu, Gégé, est-ce que tu veux finir un petit peu sur le sujet du logement avant que je passe au deuxième sujet? Est-ce que tu veux finir vite fait une petite conclusion sur ça? Merci oui. Gégé de la réponse. À bientôt. Oui. Tout ce que je te souhaite, c'est qu'en tout cas qu'on règle ça au plus vite parce que ça a trop duré, quoi. Parce qu'il faut être honnête, clair, net et précis. C'est bon, stop. On va arrêter l'hémorragie. Ta santé est en jeu. On va faire le nécessaire. Je m'appelle pas Julien Courbet. Je précise. Je ne suis pas avocat. Je suis pas juge. Mais quand même, voilà. Les amis, ça sert à ça d'aider les gens qui en ont besoin. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.